23 août, l'église fête Sainte Rose de Lima. Isabelle de Florès est née le 20 avril 1586 à Lima, au Pérou, d'une pauvre famille espagnole, dont elle était la 10e enfant. Elle sera la première sainte canonisée du Nouveau Monde en 1671. Après son baptême, sa mère se pencha sur son berceau et crut voir une rose. Elle décida alors de l'appeler Rose. Ce prénom lui sera confirmé lors d'une apparition de la Vierge Marie. À l'âge de 4 ans, elle sut lire sans jamais avoir appris. Et dès qu'elle le put, elle se nourrit des récits de la vie de Sainte Catherine de Sienne, qui devient un modèle spirituel. À l'âge de 20 ans, en 1606, elle prend l'habit des tertiaires dominicaines. Toutefois, comme il n'y avait pas de couvent dans la ville où elle habitait, elle se fait une cabane dressée dans le jardin de ses parents. Elle en fait son ermitage. Elle consacre son temps à la prière, la pénitence et au service auprès des Indiens, des infirmes, des vieillards et des enfants abandonnés de Lima. Recevant des grâces mystiques, elle sera interrogée par des inquisiteurs qui seront étonnés de la profondeur spirituelle de ses réponses. À sa mort, en 1617, à l'âge de 31 ans, le peuple de Lima fut saisi d'une grande émotion, la reconnaissant déjà comme une sainte. Sa spiritualité. Rose, par la prière, le service auprès des plus pauvres, le jeûne et les mortifications, veut laisser s'épanouir en elle les grâces de son baptême pour marcher à la suite du Christ, pauvre et souffrant. Son exemple spirituel est Sainte Catherine de Sienne, qui a médité plus particulièrement sur la passion du Seigneur. S'il est vrai que Rose de Lima choisira de vivre avec l'accord de ses confesseurs de nombreuses mortifications et de jeûnes continus, elle reconnaît toujours que la véritable pénitence, c'est d'avoir un cœur plein d'humilité. Sainte Rose de Lima, priez pour nous.